Arrête. Tony, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Salut petit, comment tu vas? Je ne t'attendais que demain, tu ne t'es pas plu à Nice? Si, mais il y avait un peu trop de restaurants 4 étoiles, il a fallu que j'achète un autre costume. Alors? Alors, j'arrive pas à me faire à la vue des femmes de 70 balais qui courent les plages en string. On dirait des sacs à main en peau d'iguane. T'es venu en Porsche? Oui. Tu me la prêtes jusqu'à chez moi? Bon, accouche, ça s'est bien passé? De quoi tu parles? Tu sais de quoi je parle. Oh, dis-moi comment ça a été. J'ai vendu un bateau à un gros client. Ça n'a pas été facile, il y avait tous les spécialistes. Il y avait McKnight, il y avait Shimada. Shimada? Une vraie foire d'empoigne, mais on a décroché le pompon. Et Argento a adoré ton design des cabines. Vraiment adoré, on a carte blanche. Tu es le meilleur, Cole. Oh. Oui, je sais, je suis un type formidable. Oui, c'est comme ça. Je suis rentré. Où est mon ange? Tu as fait bon voyage? Ah, tu es là. Tu m'as manqué, ma chérie. Oh, tu es superbe. Cole. Tu as bien peint mon absence? Son talent s'affirme au fil du temps. Traite-moi de bouseux si tu veux, mais les questions d'art, c'est pas mon rayon. Je t'ai fait un petit cadeau. Oh, il est magnifique. Tu n'aurais pas dû. Le cours du dollar étant ce qu'il est, ce n'est pas un gros sacrifice. Il est absolument divin. Oh, mais rien n'est trop beau pour mon ange. Merci. Tu dois avoir faim. Greta peut te faire un sandwich. N'importe quoi fera l'affaire. Tu te joins à nous, Tony? Non, j'ai beaucoup de travail. C'est ton problème, fiston. Mais tu travailles trop. Je te téléphone. D'accord. Merci d'être passé me prendre. Bye, Tony. Le nectar des dieux. Quelle horreur! Ah, c'est encore pire que du White Spirit! Viens, ma chérie, viens près de moi. J'étais bien seule sans toi. Les nuits sont longues quand tu n'es pas là. Tu m'as manqué, toi aussi. C'est vrai? Oui, pourquoi? Je me pose des questions. C'est vrai que tu es contente de me voir?
Cole, mais qu'est-ce qui te prend? Bien. Jeune et sexy comme tu es. Je sais de quoi je parle. Je vois comment les hommes te regardent quand ils te croisent, surtout les hommes de ton âge. Je t'assure que je me rends compte de rien. Ne fais pas l'innocente. Si tu doutes de moi, arrête de me laisser toute seule. Qu'est-ce que tu entends par là? Rien du tout. Si, dis-moi. Non, rien, je suis seulement très contente de te voir. Quand je suis en voyage, tu sais à quoi je pense? C'est pas au bateau. C'est pas à l'argent. C'est à toi. À toi. Il arrive à l'instant, ne quittez pas. Tony voudrait vous voir. Dites-lui de monter. Il vous attend. Cole. Qu'est-ce que tu veux? Je vais aller dans l'Oregon voir un importateur de marbre blanc. Je vois, tu as une petite minette qui t'attend là-bas. Hélas, non. On a reçu un fax de nos amis de Rio. Oh, les Brésiliens. Je croyais qu'on ne devait pas donner suite. Je sais, mais ils ont promis de nous envoyer des clients et j'ai... Arrête, Tony, cette affaire sent l'arnaque. C'est ce genre de connerie qui a ruiné ton père. Il a avancé jusqu'à son dernier dollar à des Cubains. Je l'avais prévenu. Ça va, je connais l'histoire. Alors tu sais pourquoi je dirige Maxco aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu crois, que je l'ai forcé à vendre? Ton père a créé cette boîte, mais il n'a pas su la garder. Il a tout perdu. J'ai payé ses actions deux fois leur valeur. Tony, je t'aime comme un fils, tu le sais, ça a toujours été. Mais je t'ai engagé pour d'autres raisons. Tu es le meilleur designer que je connaisse. Seulement, le patron ici, c'est moi. Tout ira bien tant que chacun de nous tiendra sa place. D'accord. Je ressens quand on est ensemble, tous les trois, de voir être si distants. Je ne suis qu'un objet pour lui. Et le pire, c'est quand il boit. Promets-moi de ne jamais me traiter comme ça. Promis juré. Tu ferais vraiment tout pour moi? Tout ce que tu voudras. Essayons quelque chose de facile pour commencer. Je te tiens. Ah, qui de nous deux tient l'autre? C'est pas le Ritz, mais enfin... Je connais bien le Ritz. C'est la classe. Ouais. C'est les miennes. Oh, bêcheuse. Je suis quoi, moi, le garçon d'étage? T'es vilaine. Petite minute. Qu'est-ce qu'il y a? Tada! Qu'il est mignon. Ouais. Vous avez le même sourire. Ouais, tout dedans dehors. Merci. Je t'aime. À demain.
calme, du calme, du calme. C'est ça. Écoutez, si c'est mon sac à main que vous voulez, Non, je t'en prie, Lizzie. Enfin, c'est pas sérieux ce que tu me dis. Tu trouves que j'ai une tête à piquer son sac à une jolie fille? Il vous a dit comment je m'appelle? Une belle voiture que tu as là, confortable, spacieuse. T'as toutes les options ou c'est l'équipement de série? Qu'est-ce que vous voulez? On a un point commun, toi et moi. On est tous les deux artistes. Je peux te montrer mon book. Je travaille surtout d'après nature. Les petits oiseaux, les plantes, ce genre de choses. J'aimerais avoir ton opinion. Continue. Oh, mes débuts. J'étais... Oh merde. Pourquoi est-ce que j'ai rangé ça là-dedans? Tu es très photogénique, Lizzie. Tu es la chouchoute de mon appareil. J'adore travailler avec Tony et toi. Il y a tellement d'enthousiasme. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que tout le monde veut. Je veux être reconnu. Apprécié à ma juste valeur. Enfin, regarde, c'est pas magique. Je fais de l'art avec la lumière. Oh, pardon. Je deviens lyrique parfois. Combien? Oh, eh bien... Il vaut mieux pas que ce vieux King Cole trouve un énorme gouffre à la place de son cher compte en banque, pas vrai? Alors, tu vas me faire des versements échelonnés. Et tu me donnes 5 000 $ chaque semaine, pénalité prévue à partir du 3e jour de retard, assurance comprise, et je te fais cadeau des frais de dossier. Allons, fais pas cette tête de chien battu, Lizzie. Je suis un garçon raisonnable. Je te promets que quand on sera à 100 000 $, je laisserai tomber. Et tu auras enfin les épreuves et les négatifs. Je te jure qu'ensuite, je disparaîtrai. Quelle garantie j'aurai? Ah, aucune. Tony, quelqu'un a été mis au courant. Quelqu'un sait qu'on a une liaison. Calme-toi. Qui est au courant? Un maître chanteur. Il faut que je te laisse, quelqu'un vient. Greta, excusez-moi. Vous pouvez mettre quelques serviettes dans la salle de gym. Demain, Cole et moi, nous allons faire de la plongée. Oui, madame. Avec nous un de ces jours. Ces récifs sont de toute beauté. Non, merci. Tu sais bien que je ne suis pas un grand nageur. Bon, c'est dommage. Tu as renversé de la peinture, ma chérie. Oui, j'ai pas fait attention. Les vicissitudes de la vie conjugale avec une artiste en herbe. Qui vide les poissons cette fois-ci, Cole? Oh, ma chère et tendre Amazone de Londres. Rien de ce qui est aquatique n'échappe au harpon de ma Diane. Je vais me changer. Et tu ferais bien d'y aller aussi. Cole. Bon, tu vas finir par donner des idées à ce garçon. Oh, Tony. On trouvera une solution. Une solution? Laquelle? Il va tout apprendre. Tôt ou tard, il aurait fini par le savoir, avec ou sans ce sale type. J'en ai assez de ces mensonges. Je m'en veux de te faire vivre tout ça. J'ai une question à te poser. Si tu devais choisir, ce serait Cole ou moi? Toi, voyons, c'est toi que je veux. Alors, il n'y a qu'à aller lui parler. Cole a toujours refusé de perdre.
Il voudra te détruire, Tony. S'il l'apprend, il nous détruira tous les deux. Il en fera sa raison de vivre. Non, on ne peut pas faire ça. J'ai vu de quoi il est capable avec ceux qu'il double. La vengeance est une passion, pour lui un sport. Il faut qu'on paye. L'autre jour, j'ai trouvé une photo très intéressante. Je veux boire à la santé des deux personnes qui comptent le plus dans ma vie. Ça va te rappeler d'excellents souvenirs. Oh, c'est une antiquité. Ton père et moi après une chasse au harpon au Cap Lookout. Ce n'était qu'en 62. Ton vieux m'a donné presque tout ce que j'ai dans cette vie. Il aurait pu embaucher n'importe qui, mais il croyait en moi. À ton père, beau, qui me manque chaque jour que Dieu fait. À mon père. Elisabeth ? Ah oui. Ah bon ? Ça ne va pas ? Je n'ai pas envie de boire. Comment peut-on ne pas avoir envie de boire ? Ça n'a rien de drôle. Tu es ivre tous les soirs. Tu as vidé le tiers de la bouteille. Et je boirai les deux autres tiers si j'en ai envie. Excusez-moi. Elisabeth. Eh bien, tu ne vas pas la voir ? Et pourquoi faire ? Excuse-moi, je reviens. Ne me parle plus jamais sur ce ton devant le petit, t'as compris ? Arrête de me traiter comme un enfant. Reste là. Ne me touche pas. Tu es saoul, laisse-moi tranquille. Elisabeth. Tu nous gâtes. Toutes mes bonnes résolutions ont fondu comme neige au soleil. Tu as tout ce qu'il te faut ? Plus encore. Tommy, tu as eu à manger ? Ah oui, merci. Salut, Kelly. Ça va ? Comment va Emily ? Ça va, elle papote dans un coin. Alors, Tommy, ça va comme tu veux ? Oui. Il a eu maille à partir avec des filles d'au moins 8 ans. Je crois qu'il est encore sous le choc. Tu veux aller faire un tour sur la plage ? On trouvera peut-être des coquillages. Oui, je veux bien. Elle les aime jeunes. Qu'est-ce qu'elle te trouve, alors ? Elle est sous le charme de ma gentillesse naturelle. Hé, hey, Tommy ! J'en ai trouvé un super. Tu viens voir ? Qui c'est, celui-là ? Salut, Lizzie. Tommy, on va retourner à la maison maintenant. On ne se dit plus bonjour. Viens là. Qu'est-ce que tu fais, Lise ? Enfin, de quoi j'ai l'air ? Oh ! Et ce grand garçon, qui c'est ? Viens, Tommy. Salut, mon gars. Moi, c'est Willy. Tommy, on va retrouver ton père. Dépêche-toi. Ouais, bonne idée. Je crève de faim. Il y a des choses à manger là-bas ? Oui, je crois. Il y a de la volaille ? Oui, je crois qu'il y en a. J'adore la volaille, en particulier la poule. Ça lui apprendra. Il avait qu'à me l'acheter à moi, son bateau. Je sais, si on t'écoutait, on coulerait tous les bateaux qui ne viennent pas de chez Max Comarine. Et qui est ce type ? Papa ! Alors, mon grand, tu as trouvé des coquillages ? Qu'est-ce qui va pas ? Viens, je vais te servir une limonade. Cole, Sheridan, je suis content de vous rencontrer. J'ai tellement entendu parler de vous. Pardon, je me rappelle pas vous avoir déjà vu. Je suis Willy, Yvonne. Oh, Lizzie, tu lui as jamais parlé de moi. Ça me fait mal au cœur. Ma cousine, ma petite cousine, Lizzie. Pourtant, on a fait les 400 coups ensemble, pas vrai, Liz? Oui, vous devez bien vous connaître. Elle n'aime pas qu'on l'appelle Liz, en général. Tu ne m'avais jamais parlé de ton cousin, Willy, Liz. Oh, mais si, c'est avec lui que je passais mes vacances en Suisse. Je suis photographe freelance. Je fais un reportage sur les petits hôtels du coin.
noir et blanc, néon, le style un peu rétro. Enfin, vous voyez le genre. Eh bien, soyez le bienvenu chez nous. Voici Tony Blanchard. Tony, je te présente le cousin d'Elisabeth, Willy. Cassel. Enchanté, très heureux. Nous construisons des bateaux. Tony dessine les intérieurs de nos yachts. On se connaît, non? Ça m'étonnerait. Ah, c'est drôle, ça. Votre visage m'est familier. Qu'est-ce que vous buvez, Willy? Un petit bourbon. Ah, volontiers. Je vais vous montrer le bar. Allons-y. C'est lui, hein? Oui. Il a surgi de nulle part comme l'autre jour. Et cette fois, il m'a embrassé. Ne t'inquiète pas, Elisabeth. Ça va s'arranger. Il veut de l'argent? Eh bien, on va lui en donner. Fouineuse. Je jetais un coup d'œil. Où as-tu trouvé cette boîte? Elle est magnifique. C'est un héritage. Mon père l'a eu dans un bazar aux Philippines. J'ai remis la main dessus il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, Tony. Approche. Bonjour, c'est Tony. Laissez-moi un message, je vous rappelle. Salut les tourtereaux. C'est moi. Mais je vous dérange peut-être. Je ne serai pas long. Ça vous dirait qu'on se voit ce soir? Je connais un coin super romantique. Loving Lake, c'est dans une forêt. Après Richmond, sur la route 99. Il y a un panneau sur le côté droit. Et juste après, il y a un chemin de terre. On tourne et on continue tout droit jusqu'au lac. Rendez-vous là à 11h. J'attends mon petit cadeau. Et Lizzie, tu viens seule, hein? Pas de chaperon. Sinon... Game over! On ne joue plus. Oh, Edith... Je suis déçu. Pas terrible la séance d'aujourd'hui. Vous pourriez au moins avoir la correction de prévenir avant. Le fils de pute. Je ne veux pas que tu y ailles. Il faut le payer. Non. Non, pas question. Ce type est un dingue. Je m'occupe de lui, Elisabeth. On en a déjà discuté. Je vais y aller. Tous les deux, viens! Eh bien quoi, j'ai une maladie contagieuse? Descends de là, je te dis! Dépêche-toi! Donne-moi mon fric! Donne-moi mon fric, mine-toi! Dépêche!
réveille. T'étais pas invité, toi. Tire, Elisabeth! Tire! Fallait, Elisabeth. C'était lui ou moi. Non, c'est pas possible. C'est un cauchemar, c'est pas vrai. Ça va. Ça va aller. Non, ça va pas aller. Je viens de commettre un meurtre. Calme-toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Calme-toi, on va réfléchir. D'accord? J'ai commis un meurtre. Allons, calme-toi, calme-toi. C'est pas possible. Il faut prévenir la police. On ne peut pas faire ça. Il faut tout dire à la police. Il faut tout raconter depuis le départ. Et ensuite, tu sais ce qu'ils feront, ils nous arrêteront. Meurtre prémédité. Oh non. Il faut se débarrasser du corps. Voyons, Tony, qu'est-ce qui te prend? Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu viens d'abattre un homme qui nous faisait chanter. Il t'aurait tué si je n'avais rien fait. Écoute, on n'a pas 36 solutions, d'accord? On s'en débarrasse ou c'est la prison. Et s'il avait déjà informé quelqu'un? Quoi? Oui, s'il avait déjà mis quelqu'un d'autre mais au courant. Mais de quoi tu parles? Mais enfin, ce type-là, il a... Peut-être qu'il a parlé de son chantage à quelqu'un. Mais un maître chanteur ne parle pas de ses affaires à qui que ce soit. Oh. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Je n'en sais rien. D'accord. D'accord, on va faire ce que tu dis. Tony, il avait pris d'autres photos. Je ne vois vraiment pas ce qu'il pouvait en faire. Emporte-les toutes, ne laisse rien. Elisabeth, monte dans ta voiture maintenant, s'il te plaît. Excellent. Le cockpit est bien agencé. Il est spacieux, confortable. Très bien. Mais les ponts sont en quelle matière? En tech. Excusez-moi une minute. Non, je t'en prie. Réponds, Elisabeth, réponds. Allô? Tu en as mis du temps, dis-moi. J'étais dans mon bain. Tu es rentrée à l'aube cette nuit, non?
Je ne voulais pas te réveiller. Marcy m'a demandé de rester un peu avec elle. Elle et Jim ont encore des problèmes et... elle en avait gros sur le cœur, alors... Tu as trouvé le temps de dormir? Oui. Je t'appelle en fait parce que j'ai deux nouvelles. La bonne d'abord ou la mauvaise? La bonne. L'Eutrope est content de son yacht. Il va signer le contrat. J'en suis heureuse. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir quelques heures pour régler les détails. Mais on va en profiter pour se faire livrer un véritable festin pour fêter ça, dignement. Tony est des nôtres, tu pourrais nous rejoindre et faire bombance avec nous. Je ne me sens pas très bien. Non, Elisabeth, je t'en prie. Je suis vraiment exténuée. Tu es exténuée? Oh, tu ne vas pas commencer. Oh, tu es exténuée. Tu passes la moitié de ton temps à barbouiller des toiles comme quand tu étais à la garderie. Ça ne m'étonne pas que tu sois exténuée. C'est la vie tranquille que j'ai qui te conviendrait. Tout va bien? Je suis content du contrat. C'est un beau trophée. Mais Elisabeth va nous faire faux bon. Elle dit qu'elle est indisposée. Overton Terrace. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un?
L'Émilie, que son étrave fende longtemps les eaux furieuses du globe, et puis-je vous trouver le plus doux des refuges dans le confort de votre cabinet. Bien dit, merci. Santé. Je vais répondre. Max Comarin. Tu peux te libérer. Il faut qu'on parle tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Allons, calme-toi, calme-toi. Anthony, je suis à bout. Il faut qu'on se voit. Je suis en pleine réunion de travail. Elisabeth. Je crois que j'ai fait une grosse erreur. Une terrible erreur. Où est-ce que tu es? J'ai mis le feu. De quoi tu parles? De la maison. De la maison qui est seule. Quoi? Oh, j'ai trouvé un bon de livraison dans sa voiture hier soir. Il y avait son adresse. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai vu. Il y avait des photos de nous, mais par centaines. Tu as incendié sa maison? Il avait des tas de photos de nous et même des vidéos. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu ne savais pas quoi faire d'autre. Alors, en toute logique, tu as brûlé la maison. Super. Il n'y avait personne, je t'assure. On trouvera le moyen de s'en tirer. Ah oui, comment? Thank you.
Elisabeth ? Elisabeth ! Elisabeth et Cole, que notre amour dure toute la vie. Je pensais bien te trouver ici. Je me suis fait du souci hier soir. Où étais-tu ? Je suis allée... Tu me le diras pas, hein ? Il faut qu'on parle tous les deux, Cole. Quoi ? Tu veux me quitter ? J'ignore ce que je veux. On peut se reprendre, non ? Il est peut-être trop tard. Non, ne me dis pas qu'il est trop tard. Je t'aime, voyons. Non, Cole, tu ne m'aimes plus. Je reste des jours sans te voir. Et quand tu es chez nous, tu ne fais que boire. Tu t'enivres tous les soirs, Cole. Tu me fais peur. Tu as changé. Tu es méchant, toujours en colère. Tu es une autre personne. J'en ai assez de supporter ça. Je déteste quand tu es dans cet état. Je suis conscient de ne plus être comme avant. Je me rappelle l'époque où je riais avec toi, où on riait tous les deux jusqu'aux larmes. Et ce petit restaurant dans Charlotte Street. Chez Gino. Oui, chez Gino. On était heureux comme des rois. On avait à peine de quoi payer l'addition. Oui, je t'attendais assis à cette table à côté de la fenêtre. Tu étais tellement belle, tu traversais la rue, cheveux au vent. J'avais la tête qui tournait, mon cœur battait à 100 à l'heure. J'en étais malade. C'est à cause de ça que tu n'avalais rien. Je crois que rien n'est fini. Je t'aime, t'es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout pour moi. Je ne veux pas vivre sans toi. Je ne pourrai pas. Si ça peut te faire rester, j'arrêterai de boire. Ce n'est pas un besoin. Oh, et puis... Je me donne peut-être des raisons de boire. Il faut toujours une raison. Mais j'ai une raison d'arrêter, moi. Ma chérie, je t'en prie, laisse-moi une chance. Recommençons tout à zéro. Rattrapons le temps que nous avons perdu. On peut essayer. La journée promet d'être belle. C'est un peu nuageux sur la côte, mais ça devrait se dégager rapidement. On se réveille en douceur avec un de mes morceaux préférés du moment. Tu fais la cuisine ? Tu es délicieuse au réveil, délicieuse, vraiment. Tu rayonnes. Je t'aime, mon ange. Petit déjeuner ? Des œufs au bacon. J'ai le temps d'aller faire un footing ? Oui, mais fais vite. Hein. Tu perds rien pour attendre. Petit déjeuner. Should I run away or should I stay? I thought he loved me.
T'es une célébrité. Pardon d'oublier quelquefois à quel point la peinture est une chose importante à tes yeux. Quand je vois tous ces gens qui sont venus pour toi, je suis très impressionné. Ils comptent parmi les plus riches de la région. L'argent de poche que tu vas avoir, rends-toi compte. Ah, Tony. Ah, toujours ce retard soigneusement calculé, vous deux. Elisabeth, tes tableaux font merveille. Mon mari me le disait il y a une minute. Alors, tu t'envoles pour New York demain? Je crois qu'on va enfin signer ce contrat avec Kim Adar. Ton avion est à 3 heures. Hein. Tu m'emmèneras à l'aéroport, je dois prendre celui de San Francisco. D'accord. San Francisco? Je ne savais pas. Je ne t'ai rien dit? Oh, pardon. Tu as oublié notre week-end. C'est notre anniversaire ce week-end. On va fêter ça comme jamais cette fois. Rassure-toi, j'en ai que pour 24 heures. Promis? Il n'y aura que toi, moi et notre paillote près de l'océan. Toujours au régime sec? Ça fera 3 semaines lundi et je me sens revivre. J'ai fait 4 sets de tennis ce matin. Mais là, tout de suite, je prendrai bien un petit verre d'eau. Qu'est-ce que ce sera pour toi? La même chose que pour toi. Entendu. Tony? Je suis servi, merci. Tu es injoignable ces derniers temps. Pourquoi tu m'évites? Je te fais mes excuses pour l'autre soir au restaurant. On s'en est tiré. Les deux fois. Si on s'en est tiré cette fois, on s'en tirera toujours. Tu me manques. Et je sais que je te manque, moi aussi. Ça suffit maintenant. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux que tu dises ce que tu veux encore de moi. Non, c'est terminé. Et l'homme qu'on a éliminé? Que tu as éliminé? Tu vas l'oublier, ça aussi, bien sûr. Je n'ai rien oublié. Mais ça ne veut pas dire que je dois passer toute ma vie à revivre ces instants. Et quand je te vois, je ne pense qu'à ce qui est arrivé cette nuit-là. Tout est fini entre nous. Elisabeth, les gens adorent tes tableaux. Ils ne me parlent que de ton talent. C'est vrai? La plupart me font de la lèche pour avoir une ristourne sur leur prochain yacht, mais quelques-uns parmi eux sont sincères. Je suis vraiment très fier de toi. Tu es merveilleuse. Et je t'aime plus que tout. Ne laisse pas ce vieux maquereau t'échapper. Il a mordu à l'hameçon. Tu dois le ramener. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une formalité. Merci. Oui, formalité à 18 millions de dollars. Chimada est franc du collier. Et en parlant de collier, on pourrait s'en jeter un derrière la cravate, histoire d'arroser ça. Hors de question. Les gars comme moi ne s'arrêtent jamais, hein. Les gars comme moi. Je t'en prie, Cole. Je t'ai vu en descendre une paire d'affilée, mais ça ne fait pas de toi un alcoolique. Peut-être pas, non. Mais j'ai fait une promesse à ma femme et je suis un homme de parole. Ed Forkett va te traîner dans tous les bars de San Francisco ce soir. Tu crois que tu en sortiras indemne? J'en ai bien l'intention, oui. Si tu le dis. Délicieux. Mais je rigolais. Souhaite-moi bonne chance. Tu les auras, petit. Je t'appelle dans la semaine. Ah. La même chose, monsieur? Non. J'ai mon compte. Je bois très peu. Max Comarine, bonjour. Bonjour, Tina. Tony, ça va? Alors, New York? C'est chaud, très très chaud. Cole est dans les parages. Non, il est à San Francisco. Il rentrera tard dans la soirée. Écoutez, Tina, j'ai vu qu'il me manquait mes plans de la coquerie. Cole a dû me les prendre. Si c'est le cas, ils doivent être dans son bureau. Je vous parle de son bureau, justement. Attendez.
Eh bien non, désolé, il n'y a aucun tube à l'horizon. Alors pouvez-vous appeler Elisabeth pour qu'elle voie s'ils ne sont pas chez eux? Si vous les trouvez, vous m'appelez, bien entendu. D'accord. Merci. Oui, Tina. Le bateau s'appelle comment, vous dites? Le foudre du Levant. C'est noté. Je vais jeter un coup d'œil. Pas de quoi. Je m'appelle William Cassel, détective privé exerçant à Seattle, État de Washington, numéro de licence W1716. Cette cassette vidéo et le dossier qui l'accompagne constituent mon rapport de surveillance d'Elisabeth Sheridan entre mars 1999 et avril de la même année. Rapport commandé par son mari Cole Sheridan. Toutes les pièces de ce dossier demeurent la propriété de Cole Sheridan et pourront à ce titre être produites au cours de toute procédure légale, y compris un divorce. Où es-tu? Salut, chérie. J'ai pris le vol précédent. Ça s'est bien passé? Très bien, oui, mais... j'ai un petit aveu à te faire. J'ai fait une petite entorse à mon régime hier soir au dîner. Et oui, tu sais ce que c'est, les repas d'affaires. Toujours bien arrosés. On ne peut pas ne pas boire. Alors, tu as encore bu quelques verres au déjeuner et encore un petit verre ou deux dans l'avion pour le mal de l'air, c'est ça? C'est exactement ça. Je savais que tu comprendrais, Elisabeth. Tu es si pétri de compréhension. J'envoie juste un petit dernier. Sinon, je vais m'endormir. Demain, je me remets au sec, c'est promis. J'ai une bien meilleure idée. Pourquoi tu n'irais pas plutôt faire un tour à l'étage, te doucher et t'allonger une heure ou deux, puisque tu en as envie? Et demain, tu oublies une chose primordiale. Ah oui, quoi donc? On a prévu d'aller chez Gino ce soir. Pourquoi crois-tu que je suis rentré si tôt? J'ai une histoire incroyable à te raconter. Un truc dingue. J'étais aux toilettes de l'aéroport. Un type arrive et pisse dans l'urinoir d'à côté. Et devine qui c'était? Je ne vois pas. Ton cousin Willy. Mais tu peins sans arrêt. Quand tu t'y mets, tu fais pas semblant. Et voir un peu ça? Ah.
C'est intéressant, ces combinaisons de couleurs. Cool, fais attention! Aide-moi à me relever. J'ai passé plus d'une semaine sur cette toile. C'est une commande spéciale. Je la trouve beaucoup mieux comme ça, moi. Tu es complètement sourd. Je t'ai dit que je te faisais mes excuses. Ah oui? Eh bien, tu n'as pas dû le dire très fort, alors. Hé. Hey. Je suis désolé. Pourquoi toi et moi, on n'irait pas là-haut pour... Quoi, vider quelques verres en amoureux? Du champagne, mais pourquoi pas? Non, merci bien, Cole. Mon tableau! Je te déteste! Elisabeth, allez, ouvre-moi. Ouvre-moi, ma chérie. Ouvre-moi, je te dis. Fusil harpon, sûrement un gros modèle, mais très courant par ici. À bout portant, sans doute. Vous l'avez trouvé? Pas encore. Trouvez-le. Café, inspecteur? Merci. Elisabeth, je suis désolée, Cole. Vous voulez un petit café? Non, merci. Madame Sheridan, inspecteur Crawford. Je sais que la situation est très pénible pour vous, madame, mais j'aurais quelques petites questions à vous poser. Madame Sheridan? C'est idiot, je n'arrive pas à croire qu'il est vraiment mort. Oui,
Je comprends. Quelqu'un de votre entourage aurait-il pu vouloir le tuer? Est-ce que quelqu'un le haïssait suffisamment pour ça? Je ne vois pas. C'est un homme dur, n'importe qui vous le dira. Plus respecté qu'aimé? En quelque sorte. Excusez-moi. Elisabeth! Vous pouvez m'accorder un petit instant? Bien sûr. Je suis navré de ce qui est arrivé. Toi, ça va? Oui, je ne sais pas trop. Écoute, je prends le premier avion. Ce soir, je serai là. Il y a autre chose. Oui, quoi? J'ai trouvé une cassette vidéo. Cassel travaillait pour Cole. Il lui avait tout dit depuis longtemps. Un autre sujet? C'est impossible. Tony, je sais ce que je dis. Peut-être qu'il savait tout. Peut-être qu'il savait ce qu'on a fait à Cassel et qu'il jouait au chat et à la souris avec Cassel est mort, d'accord? Tout autant que Cole. Elisabeth, tu ne l'as... Non, Tony, je ne l'ai pas tué puisque tu te poses la question. La police n'est pas chez toi. Si, ils ont ouvert une enquête. Tu as la cassette vidéo près de toi. Il ne faut surtout pas qu'ils mettent la main dessus. Oh non. Elle est plus là où je l'ai laissée. Écoute, ne dis rien à personne avant qu'on ne trouve un avocat. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Comment j'en suis arrivée là? Bonjour madame, Bert Yasen. Je suis ici à la demande de Tony Blanchard. Mon emploi du temps de la journée est plutôt chargé, mais nous nous connaissons, Tony et moi, depuis longtemps. Et disons qu'il a un peu insisté, alors... je suis à vous, madame Sheridan. Au vu des éléments dont je dispose, la police a des preuves accablantes contre vous. Vos empreintes sur le fusil harpon, notamment. Je ne l'ai pas tué. Avez-vous jamais entendu l'expression « fondée sur notre intime conviction » ? Mon travail, madame Sheridan, est de faire naître le doute dans l'esprit des jurés. Mais les preuves étant ce qu'elles sont, il vaudrait peut-être mieux envisager une autre approche. Quelle autre approche? Je crois que le jury verra tout ça de la manière suivante. Vous avez tué Cole parce que vous aviez peur de lui. Peur pour votre vie. Il a forcé votre porte ce soir-là, il vous a battu, il vous a violé et ce n'était pas la première fois. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que cela cesse. Personne ne vous accablera pour ça. Nous plaidons coupable d'homicide volontaire, légitime défense, 30 mois tout au plus. Oh, j'imagine bien ce que vous devez ressentir, madame Sheridan, puisque vous êtes innocente. Mais si nous plaidons l'innocence et que nous perdions, ce qui n'est pas à exclure, votre peine serait de 20 ans minimum. Par ailleurs, si vous êtes finalement condamné pour meurtre, vous devrez renoncer à la succession de M. Sheridan. Selon la loi, quand on tue une personne, on ne peut pas hériter de sa fortune. Je vais tâcher de vous faire libérer sous caution. Vous devriez pouvoir sortir d'ici dans quelques heures. Que va-t-il advenir de Max Comarine? Aucune idée. Mais si vous voulez que je me renseigne... S'il vous plaît, oui. Je vous tiens au courant. À 15h15. Les passagers pourront être accueillis au terminal 2. Pour d'autres informations concernant les arrivées, veuillez composer le 9. Tony! Elisabeth?
Elisabeth, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Yassin m'a fait libérer sous caution. Tony Castle est toujours vivant. J'en suis sûre, je l'ai vu. Comment ça, tu l'as vu? Je l'ai vu par la fenêtre derrière la maison. Je n'ai pas rêvé. C'est dingue. Comment serait-il sorti? Tu as pu voir son visage? Non. Ah, tu vois, tu es sous le choc, Elisabeth. Tu imagines des choses. Castle ne pouvait pas être là parce qu'il est au fond d'un lac. J'étais sûre que... Je sais pas. Tu as probablement raison. Évidemment. Elisabeth, il te faut du repos. Un lit douillet après un bon dîner. J'en ai bien besoin, oui. J'ai conclu l'affaire avec les Brésiliens à New York. Bravo. Je vais avoir un travail fou. C'est affreux d'être enfermé dans une cellule. Je me sentais si seule. Écoute, tu as eu une dure semaine. Rentre et repousse-toi. Je t'appelle demain. Si tu veux. D'accord. À demain. Lieu de résidence et nom de la personne. Seattle, État de Washington. William Castle. K-A-2-S-E-L. Je n'ai pas ce nom. Cherchez dans les villes avoisinantes. Peut-être qu'il a quitté Seattle. Désolée, je n'ai aucun William Castle. Merci. Ah, voilà. Calum Street. Oui. Excusez-moi de vous déranger, je cherche Barbara Howell. Oh, c'est ma fille. Elle s'est absentée. Je m'appelle Oramé. Je me présente, Elisabeth Sheridan. J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'étais au lycée avec votre petit-fils. J'aimerais savoir ce qui est devenu Willy. William? Oui. Comme je vous le disais, j'étais au lycée avec lui. Je l'ai croisé par hasard à l'aéroport. Oh, mon Dieu. J'ai bien peur que vous ne fassiez erreur. Non, je suis bien sûre de l'avoir vu. Non, mademoiselle, je viens de vous le dire. Ce n'était pas William. Je l'ai vu s'apprêter à prendre un avion il y a quelques jours. Mon petit-fils a eu la leucémie. Il est mort il y a 15 ans environ. Je suis vraiment désolée. Ça ne fait rien, vous ne pouviez pas savoir. Je me proposais de prendre une petite citronnade. Joignez-vous donc à moi. Non, je vous ai suffisamment dérangée, merci. Ça me fait plaisir. D'accord. J'ai gardé son album du lycée. Tenez, voilà William. Et vous, où êtes-vous? Il était beau garçon. Le voilà, le jour où il a eu son diplôme. Ici, au club de la photographie et avec ses camarades. Excusez-moi.
Ils étaient inséparables, ces trois-là. Joey Rizzelli était un petit voyou. Mais Tony Blanchard était un garçon adorable, si gentil avec William quand il a été malade. Eh bien, quelque chose ne va pas. Dans le cas où Elizabeth Sheridan ne pourrait pour quelque raison que ce soit hériter de Max Comarine, la totalité de mes parts dans la société reviendrait à Tony Blanchard, qui en prendrait la direction en tant qu'actionnaire majoritaire. Missy Turner a quitté. Jury a retenu la thèse de la légitime défense. Acquittement de la veuve d'un riche industriel. C'était un coup monté. Oh, Tony! Allô? Oui, bien sûr que je les ai. J'arrive. Derrière toi, fais gaffe! Attention! Ouais? C'est moi, ouvre! Le livreur de pizza, enfin! Tu as ma commande? Il faut qu'on arrête de se voir dans des motels. Qu'est-ce que tu faisais chez les Sheridan? Je suis un voyeur. C'est une belle fille, Tony. La prendre en photo est devenue une vraie passion. Des amuse-gueules? Elle t'a vu aujourd'hui. T'as
quoi dans la tête, débile? Hein? Tu veux tout faire foirer ou quoi? Tu sais, la vie est faite de risques. J'en ai eu un bel exemple la fois où j'ai compté sur toi pour placer des bouteilles d'air dans un endroit accessible où je pourrais vite les trouver. Au départ, j'étais pas chaud pour suivre ton idée. Mais c'était trop tard. Je me suis retrouvé au fond, à me débattre dans cette eau glauque et froide. Et faut avouer que ma confiance en toi a encore diminué le jour où t'as réduit ma cabane en cendres. C'est quoi, des menaces? Est-ce que je suis du genre à menacer quelqu'un? Un peu que je te menace. C'est pour ça que j'ai la seule copie de ce que j'ai filmé. Car tout risque demande de l'assurance. Assurance vie ou invalidité ou tout ce que tu voudras. Mais cette cassette, tu l'avais planquée chez eux et n'a pas été facile à récupérer, crois-moi. Mais bref, je l'ai et je la garde. Je m'en balance de ce que tu fais de cette cassette, moi. Je m'en balance. Complicité de meurtre. J'ai moins à perdre que toi, je te signale. Ouais, justement. Tu vois, étant donné que j'ai buté le vieux King Cole, j'estime avoir droit à une révision de contrat. Tu sais, le flic qui dirige l'enquête, je suis sûr qu'il trouverait ces images vachement enrichissantes. Et c'est quand même ma meilleure œuvre, sans me vanter. Et désolé, tu ne la trouveras pas tout seul, à moins que tu aies l'intention de forcer toutes les consignes des gares routières de la côte ouest. T'es vraiment un numéro, toi. Recompte. T'auras encore 50 000 dans 2 semaines. Un peu que je vais recompter. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire un long voyage. Ouais, tu vas faire un long voyage. Merde. Un appel sur la une. Allô? Bonjour, mon loup. Il faut que je te voie. Tiens, où est-ce que tu es? Ça va? J'ai un petit cadeau pour toi. Sans blague. Sans blague? Je vois le genre de cadeau qui ne se refuse pas. C'est ça, le genre de cadeau qui ne se refuse pas. Non, désolé, je suis bouquée. Pas d'excuses qui tiennent, mon lapin. Notre chambre habituelle, dans 1 heure. Tu es là? Ton petit cadeau est caché sous l'oreiller. Tu choisis celui de droite ou celui de gauche. Si tu m'aimes vraiment, regarde-moi. T'auras encore 50 000 dans 2 semaines. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire un long voyage. Oui, tu vas faire un long voyage.
Il faut qu'on parle. Viens me retrouver à Spirit Falls et n'oublie pas le champagne. Elisabeth ? Elisabeth ? Elisabeth ? Tony ? Alors, tu as aimé mon cadeau ? Baisse ton arme. Je vais tout expliquer, ma chérie. Je connais la vérité, je sais tout ce que tu as fait. Non, tu crois connaître toute la vérité. Tu ne sais rien. Tu es toute seule dans ta petite cage dorée à peindre tes petits tableaux. À te persuader que tu m'aimes, moi. Tu n'as jamais rien eu à défendre. Mon père, Beau Blanchard, a fondé Maxco Marine sans l'aide de personne. C'est mon père qui a fait de ton mari ce qu'il est devenu. Non, non, Maxco Marine doit me revenir. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Et je t'assure que rien au monde ne m'en empêchera. Tu m'aurais tué aussi, c'est ça, Tony. Tu es dingue. Tu n'en es pas digne. Une minute. Si tu crois que je vais te laisser filer, tu... Ah ! C'est mon flingue. Il est chargé à blanc. Quelle vue magnifique. Comment vous sentez-vous? Vous tenez le coup? Tant bien que mal, mais ça va. La tragédie vous poursuit, on dirait. Vous comptez reprendre la société? Tony était un très vieil ami de la famille. Avec tous ces morts dans mon entourage, je n'aurais pas la force de m'occuper de Max Coumarine. Je suis peintre, je ne connais rien au bateau. Pour en revenir à notre enquête,
Nous avons une cassette vidéo qui montre un homme en train d'avouer avoir tué votre mari. Vous êtes dans la vie de tout soupçon. Vous êtes rayé de la liste des suspects. Oui, mon nouvel avocat me l'a dit. Néanmoins, l'enquête reste ouverte. Nous recherchons toujours l'expéditeur de cette cassette. Bien. Bonne chance. Should I